Yes, les gars. Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Pour commenter, eh bien c'est moi depuis un petit moment déjà. Bravo à tous, je vais faire ce que je veux pour pas trop vous agacer. On se retrouve aujourd'hui pour ce match en clash d'équipe. On espère bien sûr voir du spectacle, des confrontations, une compétition particulière. On a la certitude de ne jamais assister au même match deux fois de suite hein, entre la compo de l'équipe adverse, la tactique qui est mise en place. Chaque match est marqué par des surprises. Mauvaise relance.
Oh, il passe. Oh, l'excellente parade du gardien. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. L'avantage qui n'a rien donné. Alors l'arbitre revient à la faute. Rafinha. Oui, il y a des options dans la surface. Saoul. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Joe Gomez sur la trajectoire. Ouais, très bon tacle. Alex Telles qui cherche la profondeur. Rafinha. La frappe. Et le but. Le premier but dans cette partie. On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur son ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, bon tac, il prend la balle. Ah non, le ballon est perdu. Un changement d'aile. Terebic. Le danger qui se précise un petit peu sur l'aile pour les Lions. Un mauvais dégagement, mal fait. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Belle passe en profondeur. Et ça fait but! On voit les images de la contre-attaque. Je vous dis la force à la fin. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Le ballon qui est intercepté. Ouais, lumineuse cette passe. Pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. On a bien défendu. On s'approche du but. Diogo Jota. Et il marque. Ensemble, cette séquence de préparation là qui va amener le but, enfin la puissance hein, qui fait le reste.
Bon équilibre sur cette frappe. Ils prennent le large. Miguel Almirón. Giovanni Simeone. Ouais, très bon tac. Il récupère le ballon. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Antonio Rüdiger. Diogo Jota. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, il perfore la défense. Le petit ballon piqué. Oh oui, magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est imparable. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, ce ballon bien piqué. Pour venir lever le gardien. Alors c'est la mi-temps, mais on connaît déjà le résultat final, le vainqueur en tout cas de ce match. Ah, il perd le ballon, bon tacle. C'est chum. Diogo Jota. Oh, c'est bien donné en profondeur. Rafinha. Oui, attention. Le gardien qui repousse. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Yuri Tielemans. Yuri Tielemans. Doug Gomez. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Abdel, je ne sais plus, je ne crois pas Abdel. Crosse pas ça, Abdel. Allez, il y a de l'espace devant lui. Il est galère là. Et elle est au fond. Descends, Angers. Eh, tu n'as pas coupé que des coupes sur le pipi. On va voir ce but. D'abord, la passe en profondeur hein, qui a mis la défense aux abois. Pour face à face qui a remporté. Grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur pour quand même. Les trous, c'est chub. Ils ont pas de chasse, ils ont pas fait. Ah, il est à l'interception. Deux minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Ils s'emparent du ballon. Ils ont pas fait, c'est des moteurs, ils ont pas chargé, c'est des moteurs. Allez, c'est la mi-temps. Et c'est un petit peu la surprise ici. Hein, live. On sait que le foot. Il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Pas facile de juger, mais ça a dû se jouer, il n'y a pas grand-chose. C'est des moteurs, je ne peux pas charger, c'est des moteurs.
Il y avait Joe Gomez sur la trajectoire. En profondeur, oui, bien vu. Heureusement qu'il était là. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Abdel, elle donne son cul, je ne profite pas d'elle. Tacle et ce ballon Abdel. Qui sort en touche. J'ai des galères au tape-à-pied. Sur les vis. Sorger. J'aurais dit Simeone. D'ailleurs. Eh, j'ai pas de copine, que des copains sous. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Mais non, finalement c'est un ballon perdu. C'est le pire. Oui, magnifique cette passe. Rafinha. Il va être à bout portant. Un superbe balle piquée. Les trous. C'est chum. Descente. Ils ont pas check, ils ont pas prêt, ils ont pas testé, c'est des menteurs. Ils ont pas chargé, ils ont pas de chargeur, c'est des menteurs. Je suis à 5 pétés de mille lignes. Ton ma feuille, c'est pas touré. Ah, ils c'est pas touré. Leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Giovanni Simeone. Alassane Pléa, Miguel Almiron. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Hector Herrera. Tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Oh, la situation un petit peu délicate là pour Rodiger qui doit conserver ce ballon. Il y a comme les civils. Saoul. Rafinha. Là, il fallait intervenir urgentement. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Oh, l'occasion! Oh, quelle occasion c'était! Quelle occasion c'était ce. Ça va, Maxence? Anterevic. Miguel Almiron. Deux. Attention, faut pas laisser l'espace comme ça, attention! Allons en profondeur. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Oh là là, l'occasion. Ça, va ouais, vite, ça fait 3, vite, vite. 3 buts personnels pour lui maintenant. Ça va vite, vite, vite. On voit les images de la contre-attaque. Là, cette distance, imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le ballon change de camp. Miguel Almiron. Tim Davis. Intervention tranchante, hein. C'est une récupération. Je fais pas de la tech bronze. Si, si, je fais de la tech bronze. Mais c'est juste là, je lance un petit match. Mais quand je dis tech bronze, parce ouais, que. Bien joué, bien t'en joué, as, ils disent tech bronze pour une. C'est une tech genre. Avec des genre. Plus corneaux rares, tu vois. Tout mais moi, c'est vraiment bronze, bronze rare. Je mets à 150 filtres. Et puis après, je les achète tous. Je vais le montrer après mon match. Il va bientôt se finir. Je te montre après.
Et aujourd'hui, j'ai pas fait le concomir, j'ai gardé mes ventes comme ça, je montre bien que ça marchait. J'ai juste peut-être supprimé une dizaine le matin, mais vu que je relance tout avec la prime, c'est bien parti aujourd'hui. Dès que j'ai fini, je te montre. Putain, Terebic. Oh, bien joué, c'était chaud. Et quoi, t'as combien de crédit, toi, plus ou moins? Pour savoir. Il ne fallait pas la rater, même si. Parce qu'après, tu vois, moi, c'est une tech pour ceux qui ont un petit budget. Genre, moi, tu vois, je me suis acheté quelques joueurs samedi ou dimanche, je sais plus. Et donc là, j'ai 3 crédits. Donc là, je me refais un peu à ma vie jusqu'à 70 000, puis après, je ferai une autre tech. Le bon ballon. Intervention magnifique. Oh, magnifique. C'était bien joué, cette tête. On était tout près du but là. Sinon, t'es division combien toi? La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Attends, là. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Miguel Almiron. On peut trouver une option disponible. Et il envoie le ballon très loin. Ça presse haut. Attention à ce ballon. En Terebic. Tu pourrais faire avec les Schmitt. Ça n'ira pas plus loin. Ça va vite. En Terebic. Allez. D'ailleurs, qui intercepte. N'hésite pas à t'abonner, mec, ça ferait plaisir. 2 minutes, ce sera le temps additionnel. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Miguel Almiron. Et voilà le coup de sifflet final. Voyage fructueux pour moi, une tech que je te conseille pas, avant je faisais ça, maintenant elle marche plus trop, c'est la tech Ornora, elle ne marche mais plus du tout, j'ai l'impression. Le peu de fois que je l'ai fait, elle ne marchait plus. Je vais te montrer directement mes ventes. Combien de crédits? T'as 60 000 crédits. Après, si tu veux être sûr d'une tech qui marche, après tu vas pas monter super vite, tu vois, vu que c'est, tu vas pas gagner tellement, mais tu gagneras. Regarde, aujourd'hui 16. À mon avis, j'étais à une trentaine de ventes aujourd'hui. Ici, regarde, c'est ça. Donc en fait, j'achète. Regarde, en plus, ils s'achètent tous quasiment à 450. En fait, tous les jeux, ils les achètent en achat rapide. Donc, en fait, j'ai vite fait te montrer la tech. Tu mets ton filtre bronze rare. Prix max, tu mets 150. Hop, tu viens et tu recherches n'importe quel championnat. On s'en fout de ça parce que si tu mets forcément Angleterre, t'auras plus de monde. Et là, t'en cherches sur tout ce qui est 150. Si quelqu'un a déjà enchéri dessus, attends, je prends un exemple. Après, pas beaucoup de monde là qui sont sur les renards rares. Tu mets des enchères. Essaye d'avoir toujours une pélasson, tu vois. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui enchérit. Tu vas pas enchérir parce que sinon, tu feras pas assez de bénéfices en comptant les 5%. Donc, t'en cherches vraiment que sur les prix de départ 150. Tu fais ça jusqu'à remplir ta pile. Puis après, hop, quitte. Avec des transferts. Voilà, il n'y a pas trop de monde, donc je vais quasiment tous les avoir. Attribuer tous. Tu viens. Donc, prix de départ, tu mets 350. Prix achat média,
400 et quand il a vraiment genre je sais pas 82 de vitesse ou 90, tu lui mets 450. Regarde là, je vais mettre 450 comme ça. Et dans tous les cas, il partira, je le sais très bien. Mais pas plus, essaye d'être comme ça. Après, si t'es gourmand, que t'as, tu t'en fous que ça parte directement, mets-le un peu plus. Mais moi, je fais pour que ça parte et que je me fasse maximum de bénéfices en peu de temps. Donc moi, je joue la sûreté. Après, si tu vois que tu veux jouer plus gourmand, mais être plus haut et que ça part pas, bah, au pire, je redescends un peu. Mais vraiment, essaye de tous les avoir à 150. Tous. Parce que si tu les achètes à 200, après, tu vois, une fois, c'est pas grave. Mais si tu en achètes 3 à 200, bah, tu vas faire une trop grosse. Pas assez gros bénéfice plutôt. Désolé. Regarde ton message. Moi, je faisais ça avec les packs. Bah, moi, j'ai entendu aussi parler de ça, mais je sais pas. J'aime pas faire ça. Et j'avais l'impression que ça me rapportait pas autant que ce que je fais. Moi, ici, en une journée, j'étais à. Je pense que j'ai fait même plus que 30 ventes parce que j'en ai supprimé quelques-uns. J'ai oublié de tout garder sur toute ma journée. Mais pour moi, je pense que j'ai fait 15K aujourd'hui. 15, ouais. Parce que hier, ouais. Pour moi, j'ai fait 15K. Après, tu peux faire avec les packs, mais moi, perso, si tu veux une tech vraiment. Pour le moment, ça va faire une semaine non-stop que je la fais. Il y a zéro problème. Le marché, il a pas monté. T'as juste des jours où t'as plus de personnes dessus. Ah, ma pédalation, je peux plus remettre dedans. Ok. Quitter tri plus tard. Attends une seconde, je vais prendre mon téléphone pour avoir le chat à côté de moi. Mon deuxième. Merde. Après, si tu veux faire avec les packs, si t'as fait ça et que ça allait, bah, tant mieux, continue comme ça. Mais moi, celle-là, moi je vais faire celle-là jusqu'à ce que ça, elle ne marche plus. Mais pour le moment, elle marche très bien. Et là, ça va faire franchement une semaine que je la fais, zéro problème. 16 en vente. Regarde tout, il n'y a pas une compétition. Autre parenthèse qui part, c'est toute compétition confondue. Et il y a que ça dans ma pile, de toute façon tu vas le voir, il y a que ça. Par ça que ça fait longtemps que c'est dans ma pile. Sinon tout le reste. Voilà quoi. Et t'es que t'as comment dire t'es quelle division plutôt Maxence y a quoi comme joueur intéressant moi ce qu'il me faudrait c'est AMDC toute blessure ouais. Lui, si je le mets changement de passe, il va monter. Là c'est pas une tech, là c'est juste virgule proche d'un joueur. Truc de fou le prix quand t'es. Là si tu veux, tu peux te faire de l'argent, revoir avec Renato Sanchez, tu peux.
même les enchères à max mes 5 soirs et tu les remets à 1008 si t'as le temps. Renato Sanchez, je vais aller voir ça maintenant. Hein. Mais le 7 il part. Moi c'est le genre de technique qui me plaît pas. Après par contre il a... Hey, j'ai pas fait attention mais il y a une putain de carte. Hein. 84 physique, 84 vitesse. Lui tu le mets tout un match tiens. Ceux qui ont fait première ligue en plus les joueurs ils coûtent pas tellement mais t'as des... T'as vraiment des E. Les gars, ceux qui ont fait ça, ils sont bien. Je pense que cette année, j'aurais dû faire ça. Je viens de montrer mon équipe. Tu penses que je devrais changer quoi? Donne-moi un peu ton avis. Tu bosses avec les Schmitt. Pour moi, ce que je devrais modifier, c'est mon MDC et mon AG surtout, pour le moment. Et puis après, peut-être changer mes deux défenseurs ailiers. D'ailleurs, lui, je vais le prendre de changement de poste maintenant à Foden. À 1009 un changement de poste. Hein. Allez, que je le prends. Ah ouais, 2009, allez. Toujours dans l'abus aussi. Ah, là il est à moi. Allez, 5000, oui! Putain, les gens, quoi, ils sont riches ou c'est comment? J'ai pas d'argent, les gars, laissez-moi tranquille. C'est quoi ça va me laisser tranquille? Oh, je vais aller mettre. Je vais mettre en. Remettre dans la... Attends, je vais regarder ton message. T'es belge, ouais, je suis belge. C'était MDC ou MOC? Oh, je suis déjà même plus. Foden c'est MOC, MOC ou MC je dois mettre. Tu vis à Doom en Liège? Plus précisément je sais pas si tu connais Soumagne. Je sais pas si t'habites en Belgique ou pas. De passe. MOCO MC, voilà nickel. On va se mettre prix achat immédiat. Toi t'avais de Namur, oh, ça c'est pas très très loin. Et c'est quand même cher et des changements de poste de merde là.
3000, 3000! T'es heureux, comme j'aurais été bien. Oh, tu sais quoi, je vais mettre à 5 000, je m'en fous d'économiser 300 crédits, c'est bon. Signer maintenant. Voilà. Oh putain, non, j'ai envoyé mes joueurs bronze au club. Ça va vite, vite. Au pire, si tu veux, ajoute-moi. Si t'as une tech qui marche vraiment bien, t'as Renato là. Ajoute-moi PSN. Attends, je vais remettre le chat à droite parce que là j'ai la flemme, je crois faire ça. Permettre aussi affiché. Hop. Voilà. Si tu veux, tu vois, en bas il y a mon PSN, c'est un des deux, je sais pas vraiment c'est lequel. Tu m'ajoutes et tu m'envoies les photos alors de tes captures de tes ventes. Ça, je regarderai vite fait. Et ton équipe, si tu veux. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, encore? Ah, ouais. Foden. Maintenant, il est 7, 9. Lui veut vraiment avec le bouger, lui il a pas des belles stats, 71, physique 70, ouais physique il est bien. J'ai... Vas-y, vas-y. Fais-le un peu. Tu bosses ça avec les Schmitt? Rashford, il me le faut. Problème, c'est qu'il coûte cher le Schmidt. Sterling vaut combien? 32 000. Je peux l'avoir, moi. C'est quoi ton PSN? Mais il est là en dessous. C'est soit Galactique tiré du bas et Rennes en majuscule ou en minuscule, c'est un des deux. Parce que hier t'as des gens de mon live que moi je dois aussi. Me faut Rashford. Je vais me prendre un petit Rashford, ce sera bien. Il a une belle carte. Et il vaut plus grand chose alors qu'il y a une semaine d'ici, il va je sais pas combien.
Voilà, c'est moi je t'ai ajouté. Tu peux vendre un joueur pas cher, s'il te plaît. Une tactique. Ah, ok, attends 2 secondes. Hop. Bah, moi je vais te montrer moi ce que je fais. Ah, parce que regarde, j'ai pas beaucoup de crédit vu que je me suis. J'ai acheté quelques joueurs dans mon équipe. J'ai acheté Rafinha, etc. Et voilà. Et moi ce que je te conseille. Bah, c'est une tactique. Il y a plein de tactiques. Mais moi celle vraiment qui coûte peu de crédit et qu'elle marche bien, c'est celle-là. La tech bronze. Voilà, je te montre un peu. J'ai acheté tout donc. Moi franchement j'ai confiance en cette tech là. Les ventes j'en ai fait aujourd'hui. Je pense j'ai fait 15 000. Bah c'est pas beaucoup, 15 000 en une journée t'en as et que ils le font facilement en 2 heures, mais après voilà. Ça dépend du marché de transfert. Donc tu viens, tu fais comme ça. Tu te mets en bronze rare. Ça tu réinitialises. Hop. Puis là, tu te mets prix max 150, pas plus. Mais 150, tu cherches. Hop. Et vraiment bronze rare, hein. Tu fais ça. Tu prends tout ceux à 150. Hop. Que ceux à 150, ceux qui sont déjà surenchéris par quelqu'un. Attends, je vais aller voir un exemple. Ah voilà, tu vois ça. Si tu renchéris, tu dois faire à 200. C'est pas intéressant. Pour le prix auquel on va le revendre, c'est pas intéressant. Donc, t'as acheté tes joueurs. Après, je sais pas. Ouais. Bah, je vais devoir effacer mes ventes alors. Ah, bah, je les ai effacées, je suis con. Après, tu viens. Tu fais ça. Merde. Hop. Tu vas attribuer et tout. Tu viens, tu te mets à 350 prix de départ, prix achat immédiat 400 ou 450. Souvent, les gens ils achètent en achat immédiat, ils ont pas le temps d'attendre 10 minutes, ils veulent se dépêcher d'avoir leur perso. Donc, pour 100 crédits, eux dans leur tête ils se disent c'est rien, mais toi, ça pour toi, tu vois, 100 crédits en plus, ça peut être bien. Donc, 400 ou 450, merde. Donc tu viens, tu fais ça à tous tes joueurs, 350, 400, 350, 450, hop, tu mets tout sur le marché, transfert, tu fais comme ça, et puis après, bah, t'attends que ça se vende, et dès que, merci, plus 1, plus 1, ah, mais, ah, merci gros, merci. Donc tu fais ça, 350 à 400, 400 ou 450, tu fais ça. Et puis bah après t'as qu'à attendre que ça se vende. T'as des jours où tu vois. Franchement, moi les jours où j'ai le plus, je vends le plus, c'est le week-end. Ah ouais, je vais aller voir Maxence, je vais voir. Alors ça tout de suite. Ouais, je vais te voir, Maxence. Et quoi, tu les achètes en achat immédiat alors? Et voilà.
Donc là, on a un autre 50, on va voir si ça va se vendre. Après, là, il est vu quelle heure? 21h, ça se voit un peu moins. Souvent, franchement, ça se vend. C'est pour ça qu'il faut avoir l'appli Faux de Compagnon. Tu essayes de toutes les heures relister et toutes les heures. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu relises toutes les heures et surtout entre 1h et 5h, c'est vraiment là que ça se voit comme des petits pains. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Non, en enchère. Je vais essayer vite fait de trois petites cartes pour voir. On va essayer. Hein. Donc. Ré. Natos Sanchez. Hop. Oh. Nos rares. Donc. Hop. Là, on met prix achat immédiat. 1003. Ah non. En enchère. Ah, ok. En enchère. Donc, à 1003, on va se positionner. Hop. 16 minutes. Ouais, non, ouais. De toute façon, ça va être surenchéri. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire alors, la Maxence? Parce que. Ah, 16 minutes, c'est long, hein. C'est sûr, ça va être surenchéri de toute façon. Il faut direct enchérir à 1003 ou 1000. Ah ouais, ok. Vas-y, ok, nickel. Ce coup, je vais en essayer 3, 4. Je vais voir. Mais alors, attends, ce que je vais faire, je vais faire comparer prix. Je vais mettre là. Dès que je vois. Mais. Putain, j'allais renchérir 1005. Je vais faire ça dès que je vais voir une enchère plus basse que 1005, je suis renchéri dessus. Ah, 1004, je vais te rater une. Voilà, une. Que celles qui ont des contraintes. S'il y a un poste, c'est encore mieux. Voilà, on va essayer la troisième, allez. Après, on est ici, s'il y a des poros qui se renchérissent. Hein. Ben, voilà, on aura essayé ceux-là. On en a pris 4, on va voir si on a réussi à les choper. Ah! Ouais, non, de toute façon, ceux-là, c'est sûr que je les aurais pas eu. Celui-là, je vais l'avoir à mon avis, 1005. Attendez, 1005 est parti à 2000. Voilà, j'ai eu celui-là. 1005. Alors que là, attendez, qui est parti à 2000, c'est lequel? J'ai phasé dans ma tête. Pas grave. On va dire relister celui-là alors. Hein. Alors, vu que je l'ai eu à 1005, je le mets à combien, tu me conseilles? Moi, je veux pas le garder 20 ans dans ma liste. Hein. Moi, je veux que ça parte. Allez, une journée, je vous conseille de mettre quel prix?
Milwit, il part au bout d'une heure. Ça fait. Je vais mettre ça. Donc, je mets Milwit prix de départ et prix achat immédiat. Je mets quoi? Si le gars il se dit ouais, allez pour 300, je mets 2000 alors. 2000 ou 2100. Un des deux, à mon avis. Je vais quand même attendre ton conseil avant de le relister. Frérot, ça va vite, vite, vite. C'est 1008 le prix de départ, mais va vérifier si le prix n'a pas changé. Ok, bro. Attends, je vais aller voir ça. Merde. Comparer prix. Donc. Bah, 1005 like, fait une enchère. Sinon, déjà, ils se mettent haut quand même. 3000, allez. Renato, ça vaut pas ce prix-là. 1005, 1005. Là, je vais mettre comme ça, mais 1008. 2002. Ouais, je vais mettre à 2009. Donc là, il y a une enchère, je vais faire ça. Donc là, on se met. 1008 achat, ah, 1008 achat immédiat. Ok. Ah ouais, comme pas con, pas con, comme ça il part directement. Même pas besoin de se renchérir. Ça c'est vrai que c'est peut-être intelligent. Ça se met là dans la seconde qui vient, il va partir. Hein. On va pas s'attarder sur ça, on va aller se renchérir sur quelques œuvres qu'on te fait. On te fait confiance, on te fait confiance. Comme ça, comparer prix encore. Donc il faut que je les aille à 1005. Il faut que je les aille à 1004, ce serait bien. Mille ce serait vraiment le top. Merci. Je devrais mettre 1009 achats immédiats en vrai. Prochain, je vais faire ça. Eh gros, il croit. Ah, mais le sac, ouais, non, je parlais de plus. Mais le sac, allez, tout le monde se renchérit dessus, je vais péter un câble. Putain, je suis malade comme un chien. Ah, vas-y, est-ce tout, ça m'énerve. À la place de mettre là, comme un trou de cul, j'écoute jamais. Prix max, je vais mettre 400. Hop, là je vais mettre. Calm down, bro, calm Je vais en mettre quelques-uns à 1004, tu vois, pour essayer. Mais à mon avis. Non, 1003 c'est trop peu. 1003 c'est sûr que vous se rechérir. Hop. On va en mettre à 1005, 1004. Le top du top, c'est vraiment de les avoir à 1004, 1003. Je vais même essayer à 1003. Tech 59. Bah, Tech 59, j'arrive pas vraiment à la faire. C'est ça le problème. Je suis pas. Genre je me fais que ça prie et je la spam, c'est ça ouais. Je pense que c'est ça. Parce que j'ai déjà regardé quelques vidéos. Parce que tu vois, moi je sais pas pro de l'achat-revente. Franchement, il faut encore que j'apprenne. Parce que c'est la première année que je joue vraiment en Ultimate Team. En vrai, j'ai été sur Fortnite, Call of Duty et tout ça. Et maintenant je me suis vraiment lancé en FIFA. Donc ouais, il faut encore que j'apprenne quoi, mais. À mon avis, je pense que je me fais que ça a prie et je le spam mon achat rapide. Achat immédiat.
Ah bah. Ah ouais non, amener c'est. Je pensais que j'avais vendu. Attends oui. Mais achat immédiat mais sec. Tu sais pas. Je vais essayer ça, attends. De toute façon j'ai plus trop de crédit. Faudrait que mes bazar là hors faudrait qu'il part. Ça me fait chier qu'on ait le soir. Normalement j'aurais eu congé si je travaille, mais sinon j'aurais fait de l'achat revente à mort vers entre 1 h et 5 h. Alors, on m'a surrogé sur quoi? 1006, 2000, 2000. Le mec il a pas le temps, il me dirait que 2000. Je vais essayer, attends. Donc. Pas assez rapide. Putain, je l'aurais eu, il était à 1000, ce fils de pute. Mais ouais, je suis pas assez rapide. T'as déjà essayé de... Tu changes. Moi, c'est une tech. Franchement, j'aime pas du tout. Mais je sais qu'elle marche. Hein. Mais je n'aime pas du tout la faire. Je sais pas pourquoi j'ai un problème. Mais sinon ouais, je sais qu'elle marche quand même bien. Ou c'est carrément la tech avec les bazars changement de passe. Allez, faudrait que j'en aille au moins. Au moins. Regarde, le prochain je l'ai. Le courage pour Caltech change mot de passe ou celle-ci? J'entends la nuit de la ville. Oh, putain, je suis con! Il y en avait un! Ah ouais, mais il était déjà parti de toute façon. Putain, il y en avait un, j'ai phasé, je sais pas pourquoi je suis retourné en arrière. Ouais, Texas. Mais déjà faut avoir une bonne co. Genre j'ai peut-être, je sais pas, du. Quand je joue à Fortnite, j'ai 30 ping, tu vois, ça va encore, mais. Je sais pas, faut avoir du combat de ping pour faire ces techs de merde là. Je l'avais presque. 1003 il a eu. Gros, t'en es, ils ont de la chatte, hein. Et je peux faire ça jusqu'à minuit, je change, j'en aurai jamais. Hein. Tant que j'en ai pas, j'arrête pas. Gros, déjà, ils sont à l'affût, un truc de fou. Quand tu dis ça se met, t'as peut-être 1000 personnes qui font la même chose que moi. Hein. Ah! Putain, j'ai cru que je l'avais eu. Allez, s'il vous plaît, Dieu. Trop lent, elle va m'énerver cette tech de mort.
C'est bon, je vais arrêter. J'ai dit, je m'arrête pas. Mon sub, ça. Pourtant, il y en a et qui les votent à 1005. Par contre, oh, ben voilà, mon Renato est parti. En moins de. Je sais même pas combien de temps. On a eu 10 minutes, grand max. Mais sur lui, c'est vrai chaud pour avoir comme ça. Ça fonctionne sur. Donc tu te mets sur les changements de poste, tu te mets à 500 et tu les revends 1000. Bah, tu me conseilles de faire laquelle? Je continue Renato Sanchez à enchérir ou je fais changement de poste comme tu viens de me dire là. Ah bah regarde, 1005, je les ai eu. Nickel, hein. On va remettre ça en vente, 1008. Je suis un peu gourmand, je vais essayer de faire un plus gros bénéfice. J'ai envie de faire comme ça. 1009%, les gens ils vont se dire c'est bon, on va l'acheter. Pour moi, c'est comme ça que je raisonne dans ma tête quand j'achète. Hop. Voilà. Je conseille de faire laquelle alors la Tech 59, c'est quand même chaud. Donc, je fais Tech 59. Et je me mets quoi, or rare ou non rare? Explique-moi vite, vite fait. Je vais écouter des conseils. 3 vendus, 3 votes, faut que je reliste. Tu vois encore deux bronzes rares qui sont partis. Après, ouais, là c'est le soir, ça part beaucoup moins vite, mais. Avec les co hein les conentrates what j'ai pas compris Maxence avec les os amené t'as voulu dire or non rare je sais pas. Modificateur de modificateur de poste et c'est avec les modificateurs de poste donc ouais je me fais ça quoi comme prix or non rare dis-moi vite fait les filtres ah, c'est ce que j'ai vendu le con marché transfert hop on initialise AGMG donc ok je vais mettre en AG. Pour moi, c'est ceux qui partiront le mieux quand tu me dis ça. AG. Et je me fais que t'as quoi comme prix? Et quoi? Or rare, je suppose que je me mets. Je vais déjà voir, il y a quoi comme AG en or rare. Je suppose que je dois me mettre en première ligue, Liga. J'en ai quand même quelques-uns. Hein. En plus, en vrai, n'importe quel truc qu'il y a, ils ont une belle carte. Arrive au pluriel, c'est un truc de fou. Ah oui, ok. Donc ok. Ah oui, donc la tech. Ouais, tech. C'est pas tech changement de poste, c'est tech. Bah, c'est juste la tech avec les. C'est tech modificateur de poste alors ok. Donc on va faire ça, c'est pas bon. Style modificateur de poste.
AG, alors. AG, AVG, non. AVG, AG. Il m'a dit quoi? AG, MG. Donc AG, MG, voilà. Je me fais que ça quoi comme prix, gros? Je vais juste regarder leur prix, en fait. 1004, 1004, 1004. 800. Mais à combien ça part exactement? À combien les enchères, les gens ils mettent d'enchères? Achat immédiat 700 et tu revends 700, ok. Mais tu regardes, je vais essayer. Ok, je sais pas pourquoi là je le sens bien. Tech 59 dans ce bazar là, je le sens bien. Il est déjà parti sur. Ouais. Et toi, t'arrives à en choper en Tech 59 parce que franchement, c'est chaud. Hein. Pourtant, je trouve en plus. Bah, t'as des fois en fait, je suis rapide, t'as des fois, je suis pas rapide du tout. Pourtant, je me trouve quand même super rapide. Ouais, bah en fait faut trouver la technique, la rapidité et tout. Quand je vais choper, par contre je vais être content sa mère. Putain! Putain, des fois je bégaye un truc de fou. Ouais, pourquoi je bégaye là? C'est quoi cette phase? Allez, s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que je fais? Imagine là, je le chopais alors que j'étais trop là. Je vais me zaf. À mon avis, elle est plus facile. Bah, en fait, toutes les techs sont plus faciles en journée de base. Surtout la tech 59. En fait, en 19h, bah, à partir de 19h, c'est le moment où il faut essayer de faire le moins d'achat-revente. Après, moi, je m'en bats complètement les cojones. Gros, regarde à 500. Gros, les gens qui vendent ça, ils sont débiles à mort. Après, tant mieux. Voilà.
Putain, donc en fait ça se met, tu m'en as chou ravin. Je mets. J'en ai eu un! 850, je l'ai eu! Nickel. Et tu le relises combien, gros? Dis-moi vite fait un peu. Toi, tu la relises à combien? Tu me conseilles quoi? Il faut que tu le réflexe direct faire croix puis descendre. Ouais, mais attends, je le revois combien là? Achat immédiat, achat prix de départ plutôt. Regarde les autres prix. Ok. Faut rechercher sur le marché. Donc tu vas me dire que t'en as pas sur le marché, Dinelva. Je vais me zahef. En fait, neuf cent cinquante et les gens se mettent à mail, ils partent pas.
Je vais me mettre à 950 à 1000 et voilà. Je peux se renchérir là-dessus parce que ça. En fait, ça m'a l'air de pas vraiment marcher ce bazar de merde. Ça, on va vite voir. Pourquoi tu fier de Renato Sanchez qui est parti après 2 minutes? Ouais, je pense que ça sent juste Renato ou Coutinho, mais le bazar. Vais effacer mes voix de toute façon. Pas besoin de montrer aux gens, je sais que ma tech marche. Donc, hop. Les packs à 20 000, franchement, je sais pas. Attends, je vais aller voir. J'ai même pas vu qu'il. Ah ouais, mais j'ai oublié qu'à 19 h, tout le temps, t'as un nouveau bazar. Attends 2 secondes, je vais aller voir ça. Là, ça va partir. Voilà. Boutique. Oh putain, pas que c'est. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie de m'en acheter. Hein. Contient 5 joueurs horreurs notés entre 81 et 86. Avec la chance que j'ai, je ne vais rien avoir, mais je vais quand même l'acheter. Allez. En vrai, t'aurais pas dû me le dire parce que je sais que je vais avoir de la merde, mais bon, voilà. Je suis désolé, je suis obligé. Pas besoin de regarder les probabilités, je fais confiance à mon instinct. Ah, ça va encore, mais qui, franchement? Après voilà quoi, c'est pas un foufou. On va pas se mentir quoi. Je me suis fait péter le fiacre, Roger. Combien se revend Fekir? Combien? Comparé prix, on va voir ça tout de suite. 2000. Je me suis fait baiser le cul. Je me suis fait baiser le cul. 2007. Regarde bien, Fekir, dans 2 minutes, il part. Voilà. Ouais, elles sont ouf à ce point-là. Façon, moi, voilà. Listé pour ces transferts. Attends, je suis con? Oh, mais hey, moi, je suis débile de la cité, ma gueule. Ouais, lui, il vaut rien, il pue sa mère. Vas-y, je l'envoie vers le club, ça sert à rien. J'utiliserai pour l'SBC.
Mais voilà, il vaut rien. Projet, je viens de perdre mon QE. Je viens de mettre 20 000 pour rien. Que j'aurais pu investir. Super. Pour ça que moi, jamais il faut que j'achète des trucs. Jamais, jamais. Gros, celui à 25 000, attends. Rien que des joueurs pour créer votre équipe de rêve. Pourquoi tu prends celui-là? Pourquoi j'ai pas pris celui-là en fait? Je suis totalement au courant. Oh putain. Pas grave, ça son con, un jour compte toujours. Ah vendu, qu'est-ce que c'est déjà vendu là? Putain, tu vois, je t'avais dit, dans 2 secondes il part. Je l'ai vendu direct. Et quoi que Fekir Ah les probabilités. J'arrive. De toute façon, j'aime plus de les regarder, ça va mettre le seum. De 77% et là 100% plus 75, 99 plus 82. Et ouais, c'est quand même joueur brise les règles. Franchement, c'est des belles cotes. Hein. T'as 99% de chance d'avoir plus 82. Ça, c'est non, franchement, ça, c'est le genre de pack que tu peux mettre de l'argent. Mais après, tu vois, genre, moi j'ai toujours acheté des packs à 20 000, 50 000, jamais rien eu dedans. T'en as, il pack une fois le truc. Bah, ça m'énerve. De toute façon, regarde, aujourd'hui je suis à 7 000, hein. Demain je serai à plus. Demain tu repasses sur le live, tu verras. Demain, à mon avis, demain je suis dans les 20 000, 25 000. Je le sens bien. Mais j'ai pas mis de prix. Et il est où ton Fred à 3000 à 3000 à 300K? Quoi, tu l'as revendu et t'as investi dans ton équipe alors, je suppose. Ou tu l'as toujours dans ton équipe. D'ailleurs, envoie-moi un peu ton équipe en screen. Y a encore un joueur, je pense, qui est parti. Ou c'est mes enchères qui. Quelqu'un se renchérit dessus, un gros fils de. Non, des joueurs qui sont partis, encore, ça part. Renato Sanchez qui part, 1009. Ça part, ça continue de partir. Non, j'ai acheté que des packs comme. Ah, et t'as eu des trucs dedans où t'as rien eu. T'es con, moi, c'est un truc que je ferais pas si genre j'ai 300K. J'ai investi dans mon équipe, j'achète des joueurs, genre amener je fais 150K que je mets dans des joueurs, amener tu vois t'achètes 2 bons joueurs et le reste investi pour essayer de doubler. Ah ouais. Oh t'es fou toi, jamais, jamais je mettrais me... Tu vois là c'est parce que j'ai 20 000 et de toute façon, tu vois 20 000 c'est rien tu vois mais... Si j'ai 300 000 gros, moi je mets pas des packs, hein, ça c'est sûr. Je vais essayer de refaire l'attaque 59 avec le Renato parce que c'est ils sont bien partis, on va pas se mentir quoi. Combien encore Renato, je me rappelle plus, ça
Ah ouais, mille sec, c'était mille sec, achat immédiat. T'as plus de chances de faire aux enchères. Tu penses? Je vais en essayer 2-3 puis je vais voir de toute façon. Et ouais, je pense aussi que j'ai plus de chances de réussir aux enchères. De blablabla. Gros, tous les Renato Sanchez qui viennent de s'afficher, un truc de fou là. Fais, ouais, je vais faire ça. Ouais, non, je vais pas faire ça, je vais faire comparer, puis on va faire ça. Hop, on va faire comme ça. Faut passer quelques pages, tout le monde a l'affût de toute façon. Oh putain, mais elle était à 1004. Putain, j'ai l'impression que chaque fois c'est 1004. Non, là c'était 1006. Je vais régler. Putain. Tout le monde a. J'ai pas envie d'attendre 20 ans. De toute façon, je vais être obligé. Alors, si je veux. Si je les veux, quoi. Vas-y, je vais voir ça tout de suite. Hop, hop. Un gros joueur qui est parti, j'ai l'impression lui. Ah ben bah j'ai eu un Renato, je sais pas c'est quand que je l'ai eu, mais j'en ai eu un. Mais le sac. Ah bah celui-là aussi je vais l'avoir. Putain c'est. Oh, tout qui va bien aujourd'hui. Tout qui est. Bien sûr, on va mettre le Renato premier. Donc on va le mettre à 1000. Combien je l'ai vendu? Je l'ai mis à 1008. Non. 1009 achat immédiat. 1008.
Ouais, franchement, ton équipe elle passe. Bah après, ça dépend de tes divisions combien. Si t'es une grosse division, genre division 3, là t'es dans la mer quoi. Parce que déjà, moi je suis division 7 avec mon équipe. Je galère. Lui, est-ce que je vais l'avoir? Ouais, à mon avis, je vais certainement l'avoir. Franchement, je baisse tout le gang. Que moi, il est civil. Oh, je vais supprimer mes ventes. Ça m'énerve qu'on est obligé de supprimer les ventes. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas trop de crédit, gros. Je vais attendre un peu de monter. Et bah moi je vais bientôt couper parce que demain je travaille, tu vois. Demain, de toute façon, je relève dans les mêmes heures. Si t'es pas là, bah voilà, c'est la vie. De toute façon, on a tous des choses à faire. Mais en tout cas, merci de tes conseils. Demain, à mon avis, je referai la même tech. Et voilà quoi. À demain, gros. Et bah, bonne soirée à toi et à demain. On relise vite fait ça. Hop. Vas-y, à demain. Vas-y. À plus. Bonne soirée. Hein.